Bonjour à tous. Alors, si je peux donner quelques conseils aux futurs créateurs et les personnes qui ont l'intention de se former à mon école de commerce, dans mon école de commerce, pardon, en ligne, à ce niveau-là, je pense que déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rester dans votre coin. Vous savez, il y a l'URSSAF qui est là, il y a la Chambre des commerces et de l'industrie, il y a tous les CFE qui sont là, le GREF aussi est là. Leur demander des infos. Il y a un site qui a été créé, qui s'appelle guichetdentreprise.fr ou .com, je ne sais plus. Guichet d'entreprise, vous trouverez. Il y a la boutique de gestion des entreprises, la BGE, qui donne des conseils en matière de gestion d'une entreprise. Il y a des conseillers en gestion du patrimoine. Vous pouvez rencontrer plein de gens. Il y a même des invitations qui sont faites pour parler de chacun de son projet à une population quelconque. D'entrepreneurs, des bandes d'entrepreneurs qui partagent leurs projets et qui s'échangent leurs clients. Donc ne restez pas dans votre coin, c'est le seul conseil que je peux vous donner en attendant l'ouverture de l'école de commerce. Et à ce moment-là, on commencera la rédaction du véritable projet jusqu'à l'obtention de l'immatriculation et de l'extrait qualifié.